Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Tulip. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la mise à jour de Brawl Stars. C'est juste incroyable. C'est pour Halloween. Il y a deux nouveaux modes. Donc, ça, ce mode, désolé, je sais plus comment il s'appelle. Mais en gros, c'est un mode où à chaque seconde, vous perdez de la vie. Et quand vous tuez quelqu'un, vous allez récupérer de la vie. Et le but c'est de... ouais, c'est d'être le dernier survivant quoi. C'est un survivant mais un peu spécial. Et du coup là c'est ma première game. Je viens de voir la nouvelle mise à jour. Et franchement elle a l'air incroyable. Elle a l'air juste... folle. Bon désolé si je bug un peu hein. Et voilà, première game, premier top 1. Je suis assez content. Ah, d'accord. Et j'ai dit première game, voilà. Première game, premier top 1. Ça fait plaisir. En tout cas, le nouveau mode est excellent. Il est très très bien, je vous le conseille. Donc si vous savez pas, il y a une nouvelle mise à jour. Hein. La musique, je sais pas si vous l'avez là dans le casque. Mais la musique est juste folle aussi. Putain, je m'ambiance dessus quoi. Lol, voilà. Il y a un nouveau mode de jeu. Je ne l'ai pas, bien sûr. C'est faut avoir un pouvoir star pour y jouer. Donc en vrai, je vais vous montrer un combat amical. Et j'ai jamais joué non plus. Si vous voulez m'ajouter en ami, vous pouvez m'ajouter là. Donc voici mon identifiant, hashtag tout en majuscule POVYKQOQC8, voilà. Et du coup on va tout de suite tester le nouveau mode de jeu que je crois on ne peut pas du coup, on peut vraiment pas je crois jouer au mode de jeu. Mais si on doit pouvoir... Ah non, ok. On peut même pas en combat amical. Ok, bah c'est une très bonne découverte. Alors du coup, on va juste faire une partie de Radia avec le nouveau décor. Je suis allé voir les vidéos. Vous pouvez aller voir les vidéos BFA, Senior 9. Ils expliquent très bien aussi. Y a qui aussi? Y a Axel. Axel TV. Vous pouvez aller le voir. Voilà, du coup, là, on part sur un Radia avec avec bah tout simplement le nouveau décor. Le nouveau décor d'Halloween, hein, bien sûr. Qui est vraiment très beau. Je confirme. Je l'aime. Ça me fait trop rire, les ennemis, ils viennent un par un. Ils comprennent pas le jeu d'équipe. Bon, je vais mourir, hein. On s'y attend. Ah non, ok. Je sais pas si vous m'entendez, je sais pas si c'est bien là. Je sais pas si vous parlez trop, je sais pas si je parle trop fort ou si vous entendez le son du jeu. En tout cas, j'espère que vous entendez le son du jeu. Parce qu'il est parce que le son du jeu est très bien. Vraiment. Aïe. Là ça va être dur. Ok, il y a le petit Carl. Parfait. Ok. En tout cas, je vous conseille d'aller jouer. Hein. C'est une très bonne découverte. Le décor est très beau. Tout ce qu'il y a est très réussi. Il y a même de nouveaux skins que je vais vous présenter. Enfin, même si je peux pas, je crois. Genre, ils sont pas dans la boutique et tout ça. Mais en tout cas, il y a une skin de Jessie. Jessie Chevalier Noir. Il y a un skin de... De qui? Un skin de Franck, DJ Franck. Un skin de Léon. Léon en mode... Léon en mode... loup-garou. Il y a aussi un skin de... Il y a aussi un skin de Jessie. Jessie Chevalier.
Non, pas de jeu d'ici, de Shelly. Shelly sorcière, un peu. Et voilà, du coup, ça va être la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous conseille de jouer à Brawl Stars, parce qu'il y aura plein de nouvelles mises à jour. On est en vacances normalement, donc je vous souhaite aussi de bonnes vacances. Et puis, à bientôt. C'était Monsieur Tulip.